Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Factorio. J'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan et on va continuer tout de suite notre partie de Factorio. Résumé des épisodes précédents. Nous avons maintenant un petit chouchou qui est là. Ouh, chouchou! Qui nous ramène du pétrole grâce à cette pompe-là. Hop, qui va nous permettre de remplir ses réservoirs. Et avec du pétrole, on fabrique non seulement des batteries, juste ici, mais on fabrique également du plastique, ce qui nous permet d'améliorer nos équipements. Pendant ce temps, là, on fait quelques recherches. L'idée étant de poursuivre dans la voie des recherches. Alors, on va faire quelques portes. Et premier truc qu'on va faire, c'est améliorer ici notre zone de défense. Ouais, alors je pense qu'on va faire ça. Hop. Voilà. Et alors ça comme ça. Les murs. Donc ici on va mettre une porte comme ça on peut passer. Ici un petit portail pour passer. Et là où le train passe, voilà. On peut mettre ça. Donc ça laisse passer les rails, mais surtout ça laisse passer notre train. Hop. Voilà. Donc ça c'était première chose à faire. Donc maintenant qu'on a un équipement, hop, je regarde. On est attaqué, mais rien de grave. Maintenant qu'on a de quoi faire du plastique, on va avancer un petit peu dans l'arbre des recherches. Sachant que notre prochain objectif, c'est faire des petits robots. Voilà, les robots de construction et les robots de logistique. Non, ils sont où? Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas. Peut-être là. Alors, on a les robots de construction. Et voilà, c'est les robots logistiques qui sont là. Et donc pour ça, il faut qu'on développe la robotique. Mais avant ça, en fait, on va développer les packs de sciences chimiques. Alors, on va anticiper un peu, puisque actuellement, on ne peut pas encore les faire. Comme vous voyez, on n'a que ces deux packs-là. De base et puis un deuxième pack hein. On serait au maximum. Alors je vois que on traîne un peu parce qu'on n'a pas assez de bras. Du coup j'ai plus envie de déplacer la production. Alors, hop, on va fabriquer ça. On va déplacer la production parce qu'aujourd'hui on en a qu'un. Et c'est un peu limite. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Alors, comment on va déplacer notre production? Parce que, ouais, aujourd'hui, on est limité par celui-là. Et, par contre, on reste 3 pour faire les moteurs. Moteurs qui vont nous servir. Ça n'est pas de... Hop. Juste. Déplacer ça. J'ai réussi à le coincer dans le mur? Oui. Je sais pas comment je fais. Voilà, c'est bon. J'ai presque rien cassé, hein, c'est tout. Hop. Non, je vais pas le stocker là. Non, mais à la base, je voulais reprendre. Hop. Voilà. Bon. Un petit peu réparé à droite à gauche. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Puis voilà. Alors. En fait.
Ouais, je pense qu'on va peut-être tirer la branche par là. Hein. Genre comme ça, et on va les mettre ici, je pense. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Par contre, ça, c'est... ça, oui, mais normalement, ça peut. Hein. Oui, c'est normal. Ça, si c'est normal, ça peut. Donc en fait ça arrivera là. On va avoir une première branche ici et une deuxième branche ici. Donc hop. Et deuxième qui est là. Hier. Hop. On va la récupérer. L'idée étant qu'il y ait un brin ici. Hop, un bras ici. Hop, on fait un rouge. Comme ça. Ensuite, ici, on va voir ça comme ça. Ils sont déjà revenus au courant. C'est parfait. Alors, ah. Les packs de science sont développés. Alors, ah oui, alors il y a tout ce qui est laser, force de freinage. Alors par contre, pour faire ça, il nous faut quoi? Il faut un soufre, deux éléments de moteur. Ça tombe bien, on fabrique déjà des moteurs, donc ça c'est cool. Le soufre, on le fabrique aussi. Par contre, tout ce qui est électronique avancée, c'est ça qui va nous manquer. Hop. Hop, on va continuer à aligner et on va faire du raffinage du pétrole avancé. Sauf que là, pour l'instant, ça va pas pouvoir trop bouger. Alors, on va juste finir ça avant. Donc, il nous faut un fil de ça, fil de plaque de cuivre, de plaque de cuivre, de plaque de fer, pardon. Hop, on va prendre un répartiteur qu'on va mettre là. Ça va faire tac, tac. Ça va continuer comme ça. Voilà. Et de l'autre, je pense qu'on va faire plutôt dans le sens inverse. Tirer par ici. Hop, c'est tout droit. Récupère ça. Voilà. Et donc l'usine qu'on a récupérée, on va aussi l'installer ici. Avec un bras long et un bras court. Voilà. Et maintenant. Alors, toi. Hop, on va t'enlever. Voilà. Hop. Ici, tac, tac, et tac. Et on fait nos petits bras. On va rajouter un peu de lumière ici, histoire d'y voir quelque chose. Là, on vérifie, ça n'a rien cassé, donc ça c'est bon. Donc vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire des bras jaunes. Voilà. Et je vais vider ça. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Oui, c'était ça.
avec contrôle, non, shift, je sais plus, non c'est pas, bon je sais plus le bouton, mais on peut faire ça, voilà, ça marche aussi, hop, ah, comme ça il y a plus de bras qui sont fabriqués, puis là c'est bon. Alors, maintenant, on a vu que pour fabriquer, parce que là pour l'instant nos recherches n'avancent pas, pour fabriquer ça, il nous faut des barres de plastique, on en fabrique, des câbles en cuivre, on en fabrique, on en a là, et du circuit électronique qu'on fabrique ici. Alors maintenant, ce qui manque un petit peu dans l'idéal, en fait, je pense qu'on va, le tirer par là-bas, je crois. Hop. Voilà, comme ça on aura les engrenages par le bas, puis là en fait on aura une ligne propre, la ligne propre nous servira, alors il va nous falloir faire du passage, ça reprend des plaques, en gros là l'idée c'est que donc on a une ligne propre de circuit électronique, la ligne propre de circuit électronique on va l'emmener quelque part, la ligne de circuit électronique on va retirer une ligne également ici, on va tirer une ligne de fil de cuivre. Voilà. Ça là, on sera bon. Peut-être qu'on améliorera ça histoire d'avoir un peu plus de capacité de fabrication. Et tout ça. Bah, tout ça dans l'idéal, on va le mettre en dessous en fait. Hein. Ça en fait on peut le hop. Je le sens trop volontairement, tout ça dans l'idéal on peut le mettre là hein. Hop, je vais juste vérifier un truc ici, parce que là les batteries elles sont à vide. Je pense que je vais refabriquer une troisième batterie. Hein. Enfin, une quatrième. On perd pas avec les batteries. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma double ligne ici. Ici. Alors. Il va falloir fabriquer aussi. Hop. Tout est plein, on a un maximum de capacité, c'est pas mal. Voilà, donc ici on va avoir une ligne, on aura une deuxième ligne ici, voilà. Et là ça va être notre ligne de plastique. Alors, tac. Est-ce que je peux faire ça directement? Oui. Hop, si on peut économiser. Voilà. Moi, je suis sûr.
Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Voilà. Donc ici. Tac. 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 Voilà. Hop, on branche tout ça. Hop, et on met du plastique ici. Maintenant, tout ça va nous permettre de construire, enfin quand on aura un peu de plaques de cuivre, de plaques de fer, décidément, décidément. Voilà, hop, on récupère, on va nous faire trois usines. Bon, allons. Rapide. Alors, hop, les bras longs. Un. On va essayer de les aligner avec les autres. Voilà. Les bras courts. Deux. Et trois. Les poteaux. Un ici. Un ici. Les usines ici, ici, ici. Ensuite, à nouveau, des poteaux ici et là. Tac, tac, tac. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ici, hop, faire avancer ça. Et vous, vous avez fabriqué de ça et de ça. Voilà. Donc comme ça, on aura une base. Ici, hop, on va vider un petit peu ça. Hop, ça va deux crans trop loin. Donc on va le limiter ici. Maintenant, on va reconstruire une usine. Ici, histoire d'améliorer la productivité de ce passage. Alors, ça on peut enlever. Ça on va même enlever ça aussi. Tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer d'en caser 3. Tac. Ah oui, alors, normalement, j'ai reçu mes deux batteries. Ça va se remplir durant la journée. Hop. Là. C'est pas un peu trop bas. Si, ça va être un peu trop bas. Tac, 1, 2, 3. Hop, hop. Et là, bah, hop, hein, faute de mieux. Ici en bas. Hop. Et voilà. Tout est alimenté. Ensuite, alors ça, on va améliorer un petit peu. On va faire ça comme ça. Ça me laisse un peu plus de place pour faire la rencontre. Voilà. Et donc ici, vous allez faire
du circuit électronique. Comme ça, là, j'ai trois fabriques. Et de la lumière. Voilà, comme ça, là, on est un peu tranquille. Bon, ça se rentre un peu dedans, mais ça devrait réussir à tourner. Là, ça en fabriquera quand on réussira à choper ce qu'il faut. Sachant que bah, le fait que cette ligne soit pleine, ça va aider. Clairement, ça va aider. Donc maintenant, on va pouvoir fabriquer ça. Donc alors, les moteurs sont là, les plaques ici, et bah, les usines seront par ici. Alors, comment on va pouvoir organiser tout ça? Alors oui, c'est un petit peu le problème de ce jeu, c'est que rapidement, bah, on est un petit peu débordé, et on se retrouve avec 120 000 convoyeurs. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, si je veux le faire arriver, ah, ça va pas être évident. En fait, alors, déjà dans l'idéal. L'idéal, si ça pouvait être sur l'autre chemin, ce serait bien. Voilà. Hop. Voilà, je suis déplacé cela. Un répartiteur. Hop. Attendre qu'il se fasse. Est-ce que j'aurais pas aussi oublié ici passage? Mais oui. Forcément, ça n'aide pas. Hop. Donc. Et du coup, voilà. Donc là, comme ça, ça marchera. Maintenant, on va tout par là-bas. Voilà. Ça se libère de la place. Au moins voilà, on a un peu de place libérée ici, c'est pas plus mal. Comme ça, si on veut agrandir ici, on pourra à l'avenir. Maintenant ça me dit pas où est-ce que je vais pouvoir tirer mes branches, parce que là j'ai ma ligne de soufre. En fait, j'ai tout envie d'envoyer à droite. Et comme ça, on va s'agrandir par là, en fait. Ouais. Ou alors, j'envoie tout à gauche. J'envoie tout à gauche. Mais alors, le problème, c'est que... En fait, après, il faut réfléchir aussi. Sauf si... Ouais, mais alors, la ligne, je vais pas la faire arriver là, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens.
Bon, je réfléchis. Comment on peut gérer ces lignes-là? Donc, j'ai une fabrique ici. Une fabrique ici. J'ai un merdier là-bas. Hop. Pas besoin de lignes aussi longues. Hop. Hop. Et hop. Comment on peut faire? On les envoie à... En fait, c'est faut que tout soit fait par rapport à là-bas. Parce que là, ce que je peux faire, c'est ici. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais m'agrandir par là. Comme ça arrivera comme ça. Hop, on va réparer les trucs au passage. Avant que ce soit cassé, toujours, ça nous pose des problèmes. Voilà. Alors. Mitraillette. Hein, quelques mitrailleuses, ça sort toujours. Là-bas. Hop. Gaffe au passage du train histoire de pas se faire écraser par lui, ce serait dommage. C'est pas passé loin. Ok, un ici, un ici, un ici, un ici et un ici, et on prend des balles. Un. Là, là, là et de là. On relie ça au réseau électrique. Voilà. Ça, c'est le train.
Voilà. Donc l'idée. C'est qu'après. Il va falloir deux de plus. C'est qu'après ici, hop, je vais les prendre ici, ici, ici et ici. Voilà. Non, on fait le circuit dans le sens et c'est le moment de remplacer nos trucs. Alors, on va choper des plaques de fer parce que ça nous manque. Ok. Donc l'idée, c'est qu'on ait deux lignes d'approvisionnement ici. Ici, ici, on attaque 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Dem, tac, 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 il manque un. Tac. Hop, faire des poteaux. Pareil. Et partira par là. Et maintenant, comme on veut que ça pulse un petit peu derrière, on va récupérer de l'acier qu'on fabrique sur cette petite ligne. Hop. Et on va faire nos machines d'assemblage rapide. Et avec tout ça, oula. Alors faire attention au train. Et avec tout ça, en fait, on va fabriquer nos éléments de recherche bleus. Voilà. Hop. Je vais mettre les usines quand elles seront prêtes. On sera bon. Voilà. Ça. Alors, nos mitrailleuses qu'elles sont là, qui sont là, pardon, ne servent plus à grand chose. Donc on va commencer à les déplacer, on les mettra par exemple par là et par là. Voire même en fait ce qu'on pourrait faire c'est tac. En gros que le circuit officiel descende et après retourne ici. Je serais peut-être plus malin. Mais on verra ça en temps et en heure. Ah! Hop! On nous appelle pour des urgences. Il faudrait aussi qu'on aurait des mitrailleuses. Hop, on va mettre une ici, une ici. Tac, on va refabriquer
des poteaux électriques. Et on va prolonger cette ligne là. Voilà. Ça au moins un peu de défense. Donc l'idée, c'est que là on a du soufre. Hop, ça, on va le décaler. On va plutôt le mettre par là. Ici on a du soufre. Hop. Toi, on va plus te mettre là. Ça. Hop. Alors, il faut les passer. Ah, il nous faut encore du fer. Et vivement qu'on ait des robots logistiques hein, pour nous redonner du fer, hein, des plaques de fer. Hein. Parce que sinon, bon. Voilà. Alors, on était où? Ici, donc on va fabriquer des passages, on va récupérer des convoyeurs au passage. Tac. Voilà, bon petit stock. Alors les passages souterrains, on s'est paru ici, ici ça va passer. Comme ça, ça passera par là. Hop. Non, même par là. Tac. Et comme ça, ici, on va tout récupérer. On va faire qu'une seule branche. Ici. Voilà. Vraiment ça rentre au chausse-pied. Voilà, donc ici on a déjà une première branche. Alors, est-ce qu'on peut passer sous ce monsieur? Alors, hop, pour l'instant je vais le laisser. Un point, voilà. Donc là, ça va arriver par là. Ça va arriver comme ça. Et ça va arriver ici. Hop, on a fait un truc très dangereux de passer au milieu d'un train qui aurait pu partir à n'importe quel moment. Hein? Bah, nos usines d'ailleurs, elles ont été fabriquées. Elles sont là. Hop, pour les placer. Voilà. Et donc, on va te dire que, hop, je sais plus. Je connais plus les raccourcis. On les enseigner. Hein. Voilà, hop, ça commence à se remplir. Il manque juste les moteurs. Les moteurs, donc, qui vont arriver aussi de par là. Que eux ils vont arriver de bien plus haut. Hop, on va plutôt le faire comme ça ici. Hop. Parce que la boîte à moteur elle est là. On va faire ça. Hop. Voilà. Et donc temporairement, je vais mettre une vieille boîte par ici. Voilà. Ici, là. Là. Je vais mettre tous les moteurs ici parce que là, ici, j'ai une boîte pleine. Hop. Ici, je vide tous les moteurs que j'ai.
comme ça petit à petit pouvoir se liquider nos moteurs. Donc les moteurs qui sont là vont permettre de construire les premiers éléments de recherche. Là, au fur et à mesure où ça arrive, comme ça on en aura 6. On va mettre un peu plus de lumière par là, on va y voir un peu plus clair. Voilà, ok. Alors pendant qu'on fabrique déjà nos premiers éléments, ce qu'on va faire, c'est que on va donc améliorer le passage de la défense. Donc l'idée, c'est ce qu'on a dit. Hop. Déjà, on va prolonger ça ici. Voilà. L'idée, c'est que ça arrive comme ça. Ça passe par là, on va dire. Tac. Fait le tour. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mur? Écoutez, on va le laisser pour le moment. Il nous embête pas plus que ça. Voilà. Donc là, on a une munition qui arrive. Et l'idée, c'est que ça fasse ça directement. Alors, du coup, il faut tout inverser. C'est génial. Hop, hop, hop. Hein. Voilà. Comme ça, ça arrive de l'autre côté. Et ça prend ici directement. Et tout ce qui est là. Enlever. Vous serez plus utile ailleurs. Voilà. Ma moteur se vide. On va pouvoir la remplir un petit peu. Oui. Hop, on va mettre un poteau ici. Donc, deux mitrailleuses. Voilà. Hop, ici on peut mettre une porte, comme ça ça m'évite de devoir faire le tour tout le temps. Hop, on refait des poteaux électriques. Hop, ici on en met 3. Voilà. Voilà, tranquillement. Donc là, on est pas mal. Donc là, voilà, hop, on voit que le raffinerage du pétrole avancé a commencé. Donc il y a ce passage là. C'est une façon de faire que les tutos m'ont appris, qui est de chaîner voilà, de les chaîner comme ça, ce qui permet de économiser un peu de place. Donc c'est pas plus mal, hein. Et comme ça au moins, donc là j'ai une ligne de moteur, une ligne d'avancée, hop, le raffinage du pétrole.
pétrole est terminé. Alors, il me semble qu'il nous faut du lubrifiant, c'est ça. Il faut du lubrifiant pour faire qui va nous débloquer les moteurs électriques, qui va nous débloquer la robotique, qui va nous débloquer la robotique de construction. On avance, on avance. Prochaine étape, les drones, hein. Clairement, en attendant. Donc là, on a une petite base là, qui commence à se développer ici. J'ai l'impression que tout va bien pour le moment. Donc, ce qu'on fera, je peux voir, oui, je peux voir les stats, c'est magnifique. Voilà, donc tout fonctionne au panneau solaire. Ça a l'air plutôt de d'être pas mal. Ouais, bon, là, la nuit se couche. L'idée, c'est que quand la nuit se couche, hop, les accumulateurs prennent le relais. Voilà. L'idée étant que les accumulateurs se remplissent en journée et se vident la nuit pour prendre le relais des panneaux solaires. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, donc ça fonctionne. Pas trop embêté par le voisinage, donc ça c'est sympa. Et donc là l'idée c'est quand on aura les drones, en fait on va les mettre ici, comme ça ils vont auto-réparer la base. On mettra à la limite ici, en fait on fera une zone d'approvisionnement, puis comme ça on sera plutôt tranquille. Donc ça c'est sympa, ça avance. Ici en recherche rouge et en recherche verte, on n'a pas besoin de plus. Pour l'instant, limité vraiment par la recherche bleue. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est limité par ça, qui est limité par ça. On va pouvoir faire grand chose malheureusement. Si peut-être faire une quatrième usine. Alors peut-être améliorer les usines existantes. Hop. Et en fait, en mettre une ici aussi. Sachant que là, il nous en faut 3, donc. C'est-à-dire que. On va avoir. Passage. Comme ça. Comme ça. Du coup, ça, on va décaler de 1. Ici, ça nous libère un peu de place. Pareil. Attends, on va tout décaler. Hop, je me presse pas pour faire. Pourquoi on est dans le noir ici? Ah, c'est vachement sombre quand même. La production satisfaction, bah non, c'est juste que très bien, très bien, très bien, très bien. Il a juste pas envie, parfait. Hop, hop, voilà. Ici, tu vas faire non, pas ça, ça. Hop, hop. Poteaux, ça, pas besoin d'autant de poteaux. Alors, les lubrifiants sont terminés. On va pouvoir passer au moteur électrique. Hop, ouais. Allez, c'est parti. Moteur électrique, c'est activé. Pendant qu'on se fait attaquer. Non, bon, c'était pas important.
Alors, on voit que ce qui est limitant maintenant, c'est ça. Et ça, c'est limité. C'est vrai qu'on pourra en faire un peu plus. Alors, hop. On va avoir une usine qui s'est libérée. Décaler nos usines. Hop. Hop, vous allez faire comme tout le monde. Hop, hop. Et ça, est-ce qu'on a... Attends, ça c'est bio. Ça c'était totalement idiot. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Est-ce que je peux en recaler une quatrième? Je sais pas. On va voir tout de suite. J'aime toujours aussi avoir une usine en plus. Non, ça passe pas. C'est pas grave. Quand on va faire des fours. Hop. Rien à signaler, rien à signaler. De le faire comme ça, voilà. Hop, ici tout va bien. Ici, hop, toi tu vas récupérer du charbon. Voilà. Oui, il y a des boucles de rétroaction de charbon, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, hop, comme ça on la fabrique un peu plus. Et normalement le système il tourne un peu plus vite. Hop, alors les moteurs. Ah et du coup ça en donne moins qu'avant, forcément. Ça en donne moins qu'avant, comment on va pouvoir gérer ça? Moteur, on va la mettre là, plutôt la mettre là. Hop, hop, une boîte en acier comme ça, je suis pas besoin de m'embêter avec. Et hop, voilà. Ah, comme ça, ça fera beaucoup de moteurs. Hop. Donc là maintenant, on a beaucoup de cuivre. Ça s'en prend encore un petit peu. Mais c'est plus là-bas que ça pêche. Et ça pêche parce qu'on manque de cuivre en fait. Hein. Parce que tout consomme du cuivre. Pas les trois machins ennemis qu'on a mis qui vont aider. Alors, hop, 1, 2, 3, hop. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, les réserves, est-ce qu'on peut pas les mettre ailleurs? Genre, bah là en fait, hein. Genre, là, ce serait même très bien en fait. Hop. Hop, on va faire un réservoir en plus.
Oui, beau réservoir. Bien. Bon, je sais pas si le pétrole a été perdu ou pas. Oh, on va être optimiste. Seize, quinze, quatorze. Des pétrole brut de celui-ci. Un. Ok, y a un bouton pour faire ça. Parfait. Oh, il y a eu un peu de perte, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi on a fait tout ça? L'idée étant que, bah en fait, tac, voilà. Ça ne nous gêne plus. On peut en faire d'autres. Une deuxième usine. Non, on ne peut pas faire de deuxième usine. C'est pas grave. Avec celle-là, ça devrait aider un petit peu plus. Voilà, je pense que là, on va être pas mal. Tac. Pas mal. Oh, fini moteur électrique. Hop, on va commencer à rechercher la robotique. La robotique, élément indispensable. Hop. Sinon, on en met là aussi, hein, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Alors, faut que je regarde en fait avec ma. Oui, parce qu'il n'y a que 18%. Faut peut-être fabriquer d'autres panneaux solaires portatifs. Ouais, je vais en remettre deux. Ouais, je vais les mettre là et puis comme ça devrait un petit peu permettre de recharger un peu plus les batteries. Parce qu'en faisant ça, en les déplaçant, j'ai plus que 1%. Parfait. Ah oui, vraiment, vivement les drones. Hein. Hop, je porte là. Voilà, hop, toujours réparé. Hein. Parce qu'après, c'est galère. Du charbon, on en fait toujours. Ceux-là ils sont épuisés, mais en vrai, bon.
pas trop trop grave. Ici, bah ici, hop, on a la petite tourelle qui nous protège. Hop, on a récupéré un peu de charbon. Alors, qu'est-ce qui nous limite toujours? Parce que là, on a l'air l'enfer, hein. Ça a l'air d'avancer un petit peu. Ah, ça en consomme toujours un ou deux, donc pas beaucoup qui vont là, mais ça a l'air de passer sauf lui, lui qui est toujours à l'arrêt. Faute de câble de cuivre suffisant. C'est dommage. C'est un peu dommage. Alors, comment on va pouvoir résoudre ce problème? On va mettre les deux panneaux solaires. Là, c'est la nuit, donc on récupère rien. Temps d'après, ça devrait être mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça rentre en combat. Bon, c'est encore assez protégé. Ici, bah lui, il a plus de ressources. Il n'y a plus tellement. On pourra repasser, hein. On pourra repasser. Bon, ici, ça fabrique, ça fabrique. Hein. C'est comme là, en fait, toutes les batteries qui sont là. Je sais que c'est pas perdu, hein. Clairement, je sais que ce sera pas perdu. Puisque bah, bientôt on fera des robots. Tout simplement. Il nous faudrait une ou deux usines encore. Est-ce que je peux pas les mettre là? Si je peux le mettre là en décalé, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Pas trop grave. Alors, si je peux en mettre une, je pourrais en mettre deux. Petit poteau électrique qui va bien. Histoire de tout relier au courant. Hop, hop. Et là, du cuivre et des câbles de cuivre. Voilà, ça nous en aura un peu plus. Hop, comme ça, aussi en dessous, ça lui permet de faire plus, puisque là, en fait, les fours étaient quand même limités, non pas par le minerai, parce qu'il en a beaucoup, mais principalement par le fait que c'était plein. Alors que là, ça roule tout seul, tranquillement. Donc, ça va être un peu plus productif. Voilà. Hop, comme ça, on en produit un peu plus. Ça, là, il y en a un peu plus qui passe. Et surtout ici, il y en a beaucoup plus qui arrivent. Ouh. Bon, il y a une jolie colonie qui arrive. Le petit comité d'accueil, hein, comme d'habitude. Ah oui, bon, un petit peu réparé quand même. Donc ça cède. Avant que ça cède. J'ai plus de kit de réparation. Ça c'est pareil, hein. On va tirer une branche après.
Hop, surveiller en bas. Les rendements 192 attendu, 8,7 par seconde. Oui, là ça se remplit, donc ça c'est bon. 7 par seconde et 10,5 par seconde. Pas de problème. Et voilà. Bon, bah, ça avance bien, ça c'est sympa, ça, c'est chouette. Hop. Et du coup, toujours pareil, hein. Ah, attendez, maintenant ce qui nous manque, ah, c'est le plastique. Alors. Ah, ils ont mis dans le tuyau. Ah, il est à fond. Il en fait du 45 qui sont directement consommés ici. Ici. Manque d'ingrédients liquides. Puis on peut en faire une deuxième à raffinerie. Hein. Pas de problème. Vide. Pétrole brut. Je mets un coffre en fer. Hop. Donc ici, c'est une raffinerie. Raffinerie. Hop. Oh. Les robots, les robots, les robots. Alors, les robots de construction peuvent réparer et construire des entités amies. Vous pouvez également ordonner aux robots de construire de nouvelles structures en y plaçant un fantôme. Ça c'est chouette ça. On va partir sur ça. Parce que là, techniquement, là, ce qu'on a débloqué, c'est par ici. Voilà, c'est alors le moteur électrique qui nécessite du lubrifiant, qui nécessite des circuits électroniques. Des éléments de moteur et du lubrifiant et le châssis de robot volant qui nécessite un moteur électrique, encore du circuit électronique, deux batteries qu'on fabrique et de la plaque d'acier. Là, ce qui va nous manquer, c'est principalement du lubrifiant. Où est ma raffinerie? Où est la raffinerie? Elle est là. Hop. Je pense qu'on va terminer sur ça. Alors, monsieur Yves Durand, c'est un souhait plutôt raisonnable, donc on accède à sa requête. Voilà. Hop. Et hop. Là, on va faire passage souterrain, tuyau souterrain ici. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être pas le bon tuyau en fait, hein. Ouais. Alors, hop. Sinon, ça va nous poser quelques soucis. Un répartiteur ici, hop, il se clique et voilà. On a à nouveau du charbon. Alors 23%. Ah oui, bon, ça monte pas beaucoup. Hein. Ça monte pas beaucoup.
Faudrait que je regarde ça. Pourtant, lui, il a l'électricité, hein. Tout de l'électricité. C'est un peu long aussi. Non, c'est bon. Alors que là, une nouvelle attaque. Toujours pareil. Hop. C'est de l'extrême. Voilà. Hop. Les barils de pétrole qui sont vides. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez voir la suite de cette partie de Factorio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Passez un excellent week-end. Ciao. Transition. I want to be by your side. I want to dry your tears. I want to make you joyful.